Danny Boone a perdu un ami. Alors que son dernier film La Ch'tite Famille sort ce mercredi 28 février, l'acteur est amené à parler de Johnny Hallyday, cet homme avec lequel il a partagé de nombreux moments. Entre les deux artistes, une profonde amitié. Trois mois après la mort du rocker, Danny Boone, appelle à l'apaisement après la tempête qu'a entraîné le dévoilement de son testament, signifie quelque chose de l'ordre du privé. Je suis d'accord avec Lynn Renault, il faut laisser Johnny en paix. Il faut penser aux enfants, les grands comme les petits. C'est très violent pour eux. Il faut respecter le deuil et les laisser régler ça en famille. Explique-t-il aux Parisiens. L'acteur et réalisateur livre aussi les dessous d'une des scènes du film, celle où il rend hommage à Johnny Hallyday avec la chanson Que je t'aime chantée en ch'ti. Elle était prévue bien avant que Johnny ne m'apprenne qu'il était malade. Il a beaucoup de fans dans le Nord. Je voulais lui rendre hommage, même si j'étais loin de penser que ce serait un hommage posthume. Confie-t-il. Depuis des années, Johnny Hallyday était très lié à la préparation des films de Danny Boone. Je montrais tous mes films à Johnny, je lui faisais une projection dans la salle de cinéma de ma maison à Los Angeles. C'est en lui montrant raide dingue que j'ai appris sa maladie.